Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 5. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser un geyser, une tyrolienne et un véhicule dans une seule partie. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un très bon visionnage, let's go! Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les nouveaux véhicules sur la map de Fortnite, donc les bulles. Alors maintenant je vous affiche une map avec toutes les tyroliennes sur la map de Fortnite. Donc elles sont toutes d'actualité sauf 3. Celle qui a Lonely Lodge, celle de Tomato Tom et celle de Dusty Divo, elles ne sont plus valides. Donc il reste les 4 qui sont à l'extérieur, à gauche et en bas. Et une autre, je vous affiche une... Non là j'ai pas besoin de vous afficher, je vais vous montrer sur la map directement. Ici, il y a plus ou moins plein de geysers. Franchement, si vous cherchez des geysers, faut aller ici. Alors apparemment, sur Break5Info, ils disent que là, il y a possibilité d'avoir un geyser, un véhicule et une tyrolienne. Donc apparemment, il y aurait une tyrolienne par ici. Donc, qui n'était pas affichée dans la map que je vous ai montrée. Donc on va aller voir si c'est véridique ou pas. Ok, donc effectivement, il y a des tyroliennes par ici. J'en vois. Je pense qu'il y en a un peu partout autour du volcan. Ouais, j'en vois là-bas aussi. En fait, autour du volcan, il y a pas mal de tyroliennes. Donc, un véhicule. Est-ce qu'il y aurait un véhicule par là? En tous les cas, il y a une tyrolienne, un geyser. Et pour l'instant, je ne vois pas encore de véhicule. Je pense que dans les hangars, là, il y a un véhicule. C'est obligé. Dans les deux hangars, là, il y a un véhicule. Je crois même que je le vois à travers la fenêtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la tyrolienne ici. Voilà, comme ceci. Comme ça, j'utilise la tyrolienne. Après, je prends le geyser et je vais chercher la boule. Hop, tyrolienne utilisée, je saute, je prends le geyser, voilà, boum, et directement, je vais prendre la petite boule qui normalement devrait se trouver dans ce hangar. Je la voyais par la fenêtre, mais en fait, c'était peut-être pas ça. Ah non, en fait, il n'y en a pas. Ah si, il y en a une là, nice, nice bro. Donc voilà, hop, j'appuie sur carré, et voilà, j'aurais utilisé tout simplement les 3 en une seule partie. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto les potos, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool Mec, et ciao, peace.